chaîne de Monsieur Geek avant de commencer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour être prévenu des prochaines vidéos à venir. Aujourd'hui, on va parler de l'assistant de concentration que l'on trouve sur Windows 10. Donc en fait, on le trouve en cliquant ici, voilà, hop, et on l'active ici, juste en cliquant là. Donc moi, je vais vous montrer comment ça marche et comment le configurer. Donc pour cela, on va se rendre dans Démarrer, Paramètres, Système, et ensuite Assistant de concentration. Donc là, comme on peut voir, il est désactivé, et on a déjà ici deux possibilités. Donc soit priorité uniquement, c'est-à-dire n'afficher que les notifications sélectionnées de la liste des priorités, les autres seront directement envoyées au centre de notification, ou autrement, on a alarme uniquement, masquer toutes les notifications sauf pour les alarmes. Et ici, ce qu'on peut faire, donc, on peut donc le régler. Donc on clique, après on l'active, et ici on peut voir que l'on peut choisir, on peut définir des heures de fonctionnement pour ne pas être dérangé lorsqu'on utilise son PC, soit pour regarder un film, ou soit lorsqu'on travaille, ou même lorsqu'on joue. Ici on a la fréquence, répétée tous les jours, au week-end, au jour ouvrable, et les priorités, alarme uniquement ou priorité uniquement. Et ce qu'on peut faire aussi en plus, c'est afficher une notification dans le centre de notification lorsque l'assistant de concentration est activé automatiquement. Donc, faut cocher cette case-là, en fait. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, et ben après, c'est parfait. Il n'y aura plus rien à faire. Et ça s'activera donc tout seul, automatiquement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt.